Yes, salut guys, mon nom JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est aux États-Unis et on roule Windham Bike Park. Level of hell! Hein? Hey, non, je fais pas ça tout trempe, là. Non, non. Hey, la piste de Mongol, toi. Hein? Thanks a lot. Toi, Amy, tu vas être plus rapide que moi, tu connais les pistes. Ah ouais? Bon, première de la journée, Batavia Skills. Fait que je vous avertis, je me suis popé une côte un matin. J'ai aucune idée comment je vais rouler aujourd'hui. Juste tirer sur le bike, c'est bizarre. Ok, c'est un bon petit réchauffement, se mettre en confiance. Fait que là, aujourd'hui, hors de l'eau dans l'entier, je vous avertis. Je vais essayer de clairer le plus que je peux. On commence à avoir un petit peu plus de vitesse. Ah, faire de la chaise, maudit que c'est le fun. Oh, la caméra doit être trempe. Il y a carrément un ruisseau dans la piste. Aïe, on descend longtemps. C'est vrai qu'on descend aussi longtemps que le Mont-Saint-Anne. Ah, déjà plus à pic ici. Les plus gros switchbacks. Hey, Freeride Québec aux États-Unis, ça fait un bon bout. Au moins 2 ans, je suis pas venu au States. C'est pas plus avec la COVID puis les blessures. Plus que ça, la dernière fois ça devait être Burke. Je devrais être en Capra, fait que ça fait fucking longtemps. Sinon le dos a l'air d'être trop pire. Hier, c'était tough avant de partir, c'était tough dans le char. Maintenant, le dos est bien correct. Pop une côte. En s'étirant le matin, félicitations, JP. Réveil, premier étirement. Pop! Ow! C'était pas supposé faire ça. Aïe, ça arrête jamais. Ouch! Ah, c'est ça. Get back. Ça de même. Ça de même. J'avais entendu parler des shortcuts demain. Merci, Matt. C'est à la fin. Aïe aïe, la première descente, toi. Ouf! Ça arrête jamais. Non. Check, hey, ça descend longtemps. Il reste la moitié de la montagne, pardon. Ouais, à un moment donné, tu t'en rends compte, t'es comme shit. Ah! Fucking soak. Yeah. Hello, Mambo. Oh, j'ai vu Bambi. Bon, Rip Van Winkle. Ok, là on tombe dans le tech. On se réchauffe, mon JP. Ok, on change de caractère totalement. Ok, je suis pas encore prêt pour ça. Oh! Le bike est seté pour faire des jumps, là, c'est sûr, dans le texte, c'est pas... Ah,
C'est du bizarre de technique avec les roches stratifiées. Oh, on se prend en ligne à droite. Ah, la racine dans le virage, toi. Aïe, aïe. Je sais pas ce que je vous présente, guys, c'est comme du slow flow, tech, mouillé, stratifié. Tu sais que tu touches pas au frein, c'est pont, hein? Hey, man. Aïe, aïe, c'est quoi cette piste-là? C'est l'un des plus gros portés proches où c'est tout. Tu as des bonnes assurances? Pas de Un break? Ah, man! Je t'ai pas vu. Je sais pas si tu vas le voir sur caméra à part ce que j'ai fait, là, mais... Hey. Ah. C'est mis à descendre. Pour dire, j'ai quasiment arrêté, mais... L'aimes-tu? C'est spécial. Il y a des roches tellement lisses, là. Tu l'aimes pas? C'est spécial. Ça veut dire que tu l'aimes pas. Ouais. La dernière, j'ai pas fait, je me suis trop fait peur sur le pont de Bourg. Ouais, mais tu es en train de mourir, là. On parle, ça. Foxhole ou... Je sais pas quoi, là. Foxhole. Je sais ça, moi. Je sais y aller, c'est le bout qu'il y a les deux drops weird. Merci. Une fois. Foxhole! Hey, c'est du technique bizarre, guys! Ça peut ressembler à 1837 un peu, mais avec l'espèce de terre rouge, clé. Tu sais, mon bike couleur clay porter, il a jamais été autant clay porter. Hein? Tu le fais-tu ou? C'est quoi ça? C'est une table à pique-nique modifiée, genre? Ouais, hey, c'est une bizarre de montagne, guys! C'est fucking cool, par exemple. Tu penses en avant? Ouais, je pense que oui. Je vais en faire top to bottom, pas trop vite. Pas tout top to bottom, mais ça va vraiment être correct avec l'avant. Ouais. Ride safe! Bon! On va commencer à ouvrir la machine un peu. Alors, on est rendu à peu près midi. On a 30 km de fête, c'est fou. Ah, il va y avoir du monde avant nous autres, fuck. Fait qu'on va aller faire la Citizen Downhill. J'ai un petit peu plus de jasette à vous faire, je suis plus réveillé. Ça fait que la Citizen Downhill, c'est une piste qui ressemble à la Tordue au Mont-Saint-Anne. Ça fait que on va lui donner du respect. On va essayer de la faire top to bottom. On va essayer d'avoir des lignes intéressantes. Fait que
Mathieu à l'arrière, Amy à l'arrière. Je pense que je suis un petit peu plus rapide dans ce genre de piste-là, blind. Mais Mathieu, il est un pas mal meilleur rider que moi à bien des niveaux. Mais c'est ça, fait qu'on se fait toute une petite run top to bottom. Chacun à notre rythme. Essayer de linker cette piste-là de manière intéressante. Première section faite. Je vais essayer de vous essuyer. Oh. Oh, j'ai pas la bonne ligne. Save. Et j'aurais pu mourir ici. La bonne drop. C'est la drop, elle a un nom. Pas trop vite. Ça ici, beaucoup mieux que la première fois. Fait que là, on est dans les grosses sections de roche. Comme j'ai dit plus tôt dans la journée, nos bikes sont setés plus pour faire des sauts. Parce qu'il y a une bonne jump line ici. Et elle mérite beaucoup de support. Wow! Ça va te mettre sur l'arrière de moi. Ça, je suis pas game de sauter ça. Cette ligne intérieure, c'est intéressante. Mon rebond de fourche est encore trop rapide. On continue, ça va très bien. La moitié de fête. C'est une piste d'homme, on va le dire. Ou une piste de femme très bonne. Mais c'est un... un bon morceau assez technique. Là, on a énormément d'eau dedans. J'ai de la misère à m'enligner exactement où est-ce que je veux. Souvent, c'est plus le bike qui va décider. Fait que dans ces cas-là, c'est pas très bon. On essuie. J'ai une vitesse intéressante. Bon, je pense que je devance une petite affaire à Mathieu ici. Il est collé au cul dans le steep. Ouh! Ça, j'avais sauté tantôt, ça avait bien été. Ouais, on a beaucoup travaillé nos ajustements tantôt dans le parking parce que là, la grosse jump line avec les gros sauts, après ça, on tombe dans le technique. Veux pas, c'est pas la même chose. Nos ajustements du Mont-Saint-Anne fonctionnent bien ici. Galette, ça va très bien dans la Citizen Downhill. Je me suis réveillé slash dégêné. On va essayer la ligne en bas ici. Versus tantôt. Ouais, ça commence à être dur sur le corps là. Les quads sont fatigués, les bras sont fatigués. Alors que je vous essuie sans mourir. Où est-ce que je vous essuie? Pas ici parce que. Oh! Lower line cette fois-ci. Ça va définitivement mieux. Ah, y'a le body fatigué là. Non, j'ai pas le temps, excusez. Oh, j'en vais avoir un petit spot ici pour vous essuyer. Oh, peut-être pas. Oh, oh. Oh, la belle ligne, toi. Ça, ça. On saute. Je suis pas capable de vous essuyer, j'ai pas de place. Peut-être ici. Ah oh, oui, avant là. La fucking drop, bravo JP. Oh, frotte à bourre. Ça, on sait que ça se drop. Et voilà. Le gros est fait. Avec une super belle vue. Sur Windham. Oh!
Aïe aïe, la montagne, guys! Fouf! Fou 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 fou! Ok, on se voit en bas. So, on sépare le groupe. Mathieu a des petits problèmes de frein. Il va aller régler ça. De mon côté, je vais aller faire une noire qui s'appelle la Devil's Path. Oh, les freins. Oh, les freins sont mouillés. Pas bon, ça. À date, pas beaucoup de dénivelé. Je sais pas si ça va chercher plus loin dans la montagne avant de commencer à descendre. Ok, ouais, là, je comprends. Yeah. Hein? Un peu plus de low speed compression, peut-être. Ok, ok, ça commence, là. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? What the fuck? Ok, la piste commence ici, là. Ça. Ça de même. Ok, ouais, la piste, elle commence. Spirit line. Level of hell! C'était chiant. Hein? Hey, non, non, je fais pas ça toute rampe, là. Non. Non, 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 non. Je suis pas un expert, finalement. Non, non, hey, vous avez pas vu le cossin. Hein? Je me suis popé une côte à matin, moi, là. C'est pas vrai que... Les roches sont trempes. Non. Hey, la piste de Mongol, toi! Hein? Fait que c'est assez à pic. Genre de dénivelé un petit peu de la World Cup, je dirais. Le genre de steepness. Peut-être un petit peu moins. Avec les galets qu'il y a dans cette montagne-là, c'est épais. Oh non, je fais pas l'expert là. Je suis même pas. Fait que je vais faire la facile. Ok, il y a genre un mur. Je m'en fous du temps. Ok, bon. Mathieu me disait que ça avait fait chier dans cette piste-là. Je suis comme, Mathieu, ok. Ça fait qu'une bonne noire. C'est pas une double noire, c'est une bonne noire. Assez à pic. What the fuck is this shit? Hein? C'est comme pas facile à linker puis à être rapide dedans. Évidemment. Hop! Sans être un local, c'est comme dur de... bien suivre le flow, t'sais. Mais il y a des bonnes zones de compression, des places, ça se roule pas, fait que... Ça, c'est 18-37 style. Ah, il y a des pistes difficiles dans cette montagne-là. Ah! Ça fait que c'était la... La Devil's Path! Ouf! Je sais pas si je refais ça aujourd'hui. Peut-être. Fait que moi, je vais continuer dans la bleue. Qu'on s'avait réchauffé ce matin, la petite Bativa Skills, je crois. On va la refaire tantôt. On va la refaire tantôt. On l'avait fait ce matin pour pas réchauffer. Il y a un ours qui dit bonjour, c'est nice. La DH. On va aller faire la plus grosse piste de Windham. Qui ont été l'hôte d'une Coupe du Monde
UCI. Fait que je suis pas un expert, ok? Je viens l'explorer. Je ne viens pas la rider en fou. Écoute, je pense qu'il y a des road gaps qui prennent de place. Je veux juste voir elle ressemble à quoi. Je vois si je suis capable de descendre la piste de DH. Qu'est-ce qui m'attend à l'autre bord de ça? Ah, il t'arrive à Mach 5 là-dedans? Non! À l'heure de se descendre, mais non. Hey, je vais être chicken. Pour vrai, j'ai une côte de failé, je pense. Ça fait mal. Tu fais une côte en m'étirant, mais attends, c'est pas drôle. Ben. Fait que c'est ça, moi je suis ici pour la faire, je peux essayer pour la faire vite. Ça sera pas ma run la plus impressionnante, je m'en excuse. Je peux essayer pour me blesser. Vraiment pas aux états. Hein? Ça va. Hey! Ton monde des gondoles pis disait Aaron Boone descend comme un esti d'attardé ici, moi je suis fucking break là. On va vous essuyer. Pendant que c'est safe. Ben! Clairement, section de bois plus rapide ici. Ouais, on a plusieurs lignes ici qu'on pourrait prendre. J'ai pas fait beaucoup de pistes de World Cup à date dans ma vie là. Mais c'est pas... C'est vraiment pas si pire. Je trouve la World Cup à Mont-Saint-Anne plus difficile. Tu sais, regardez, il y a un road gap. C'est ça, je fais pas ça. Avec moi qui viens de planter l'arbre. C'est quoi, c'est... Ouais, c'est 25-30 pieds. Ouch. Peut-être pas du plaquer cet arbre là. Ah. Ouais, fait que c'est une bonne piste. Une très bonne piste. Elle semble pas être entretenue beaucoup. Hop, ça c'est mon erreur. Ça va. Aïe aïe aïe. De toute façon, je me serais pas rendu bien loin, il y a un arbre de tomber. Aïe aïe. Ah, la côte! Ah, je me suis messé up une côte avant. Puis il me restait une belle semaine de vacances. Où ça va être tough finir les vacances là. Ok, ça je peux rouler ça vite, pas trop. Une grosse dinde! Un genre de dindon sauvage.
Ah. Ok, c'est une grosse piste là. Une piste qui va mieux qu'un DH. Puis. Croc. Quand même assez magané, assez mouillé. Fait que tu peux pas ouvrir la machine cette. Sans savoir qu'est-ce qu'il y a l'autre bord des roches. Rock Garden. Fucking shit. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ok, là, la rivière passe en pile, c'est plus drôle. Ça va où après? Je suis flat. Non? Ah, j'ai un arbre dans le frame. Je vois même pas la fin. Écoutez, je prends en considération que c'est la fin de la piste. Fait que c'était la DH. Aïe aïe, c'est épais. Ouf! Ouf, ouf, ouf. Ouais, je pense que j'ai pris peut-être un mauvais merger, en tout cas. Aïe aïe. T'étais tellement proche que je te voyais pas. Ouais, on roule pareil, mais pas pareil, tu sais. Ouais. Je suis plus rapide ces sauts, t'es plus rapide entre les sauts. Bon. Quatrième run, on commence à se dégêner un peu. Donc pour faire beaucoup des pistes de la montagne, il faut passer par celle-ci. La Wilderness Roll. Fait que pour l'instant, on va comme tout faire la gauche de la montagne. Fait qu'on commence avec la grosse site. On finit dans chacune des petites sections. Après ça, on va aller dans le plus gros stock. Ouais, là, je les pédale moins, j'arrive plus dans les transitions. Mais le bac est un petit peu plus mou aussi. Ça semble plus fitter mon style. Mon style de manual pis de. Fun, je peux presque mes whip. Ah, j'ai tué la feuille cette fois-là. Je suis en plein de fou. Ah.
Yes, salut guys, fait que c'était Windham Bike Park. Pour vrai, la journée a été débile. On a à peu près 70 km de fait, peut-être 12 laps. On est toasté, on est boité, on est plein de clay, plein de... Fait qu'on va aller nettoyer les bikes un peu, on va aller se nettoyer. Fait que super belle petite montagne, une belle grosse jump line, plusieurs pistes noires, assez difficiles. Je serais curieux de visiter... lorsque c'est plus sec, parce que là, il a mouillé pas mal dans les derniers jours, mais quand même, on a eu beaucoup de fun. La remontée la plus rapide qu'on a jamais vue. Écoute, c'est fou comment ça monte vite. Tu peux faire énormément de laps. Pas beaucoup de monde. Regardez, le parking, pas tant de monde. On croise rarement du monde. Fait qu'une belle petite montagne à découvrir dans l'État de New York. On a trippé. Fait que premier trip de l'année aux États. Ça sera pas le dernier, j'espère. Donc, en espérant que vous avez apprécié. Et sur ce, on se voit à la prochaine épisode de Freeride Québec.